Bonjour YouTube. Alors comme vous voyez là, on est en train de reprendre en plein milieu des Volandes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous souvenez de ce qui s'était passé la dernière fois. Donc on était face au boss, on n'a pas réussi. Bah là j'ai réussi à le battre. Voilà. Donc en fait on a lancé le live. J'ai fait le boss hors record parce que du coup je me suis dit que vous n'alliez pas envie de revoir ça en mode détendu et on a fait bah, trois essais et ça s'est bien passé et on a vaincu le boss. Il y a pas eu de triche, hein. Il n'y a pas eu de triche. Vous pouvez aller voir le replay Twitch et vous verrez comment ça s'est passé. Ça s'est trop bien passé. Voilà, pas d'énervement. Le calme est là. Donc, du coup, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Evoland, la suite. On a vaincu le boss des pirates. Et voilà. Donc, on a récupéré la pierre. Et le volcan entre en éruption, nous dit Grota. Donc là, on se remet en mode. Voilà. Vite, Exterminator! Nous devons fuir au plus vite. Ah oui! Ah ouais, donc j'ai même pas un moment de répit quoi, c'est genre. Okay, on est toujours en phase beat them all. J'espère juste qu'il n'y aurait plus de méchants, il sera juste. Ah putain, mais j'en ai en plus qui me bloque. Alors, le problème c'est que je ne sais plus du tout. Ah, mais c'est des mini-boss ça, regardez, c'est un mini-boss. Oui, donc du coup, est-ce que je suis obligé de le battre en fait? Ah oui. En fait, le truc c'est que du coup. Mais putain, mais il meurt! Mais. Oh, mais putain, mais. Ah, je suis en train de perdre du temps. Parce que moi, je me souviens que c'était quand même assez long la map là. 3 minutes, ça me paraît short. Surtout si j'ai ça à chaque fois là et qu'il esquive tout. Non, mais hé, hey, allô? Oh, c'est difficile ce niveau. Hein. Alors, attendez. Grota. Fight. C'est bon, je peux partir là? Ok. Il n'y a pas un raccourci ou quoi, hein. Faut vraiment repartir de zéro. Ah non, mais sérieusement. Sérieusement, je dois tous me les retaper là. Je sais même plus comment ils tapent. Mais on part du principe que. En fait, j'ai tellement été stressé pour le boss et tout, que j'ai l'impression que. Ils sont tous méga forts. Alors que non, c'est que des péons. Mais je sais qu'il y en a qui sont plus chauds que d'autres, mais je sais plus lesquels. Là c'est bien, là je les ai bien coincés. Là c'est parfait. Ah, attention, on va pas le décoincer lui. Alors qu'est-ce que je fais là? Go en l'air. Ah, il faut que je passe la porte, je suis bête. 2 minutes. Ça me paraît bien. Ça me paraît faisable. Je me rappelle plus du tout du truc de la longueur du bordel. Là va y avoir une phase. Ah ouais, des Bruce Lee. Ah putain de merde. C'est vrai qu'eux ils sont durs. Avec leurs étoiles là. Ok, c'est parfait. J'ai réussi à les penser. Ah bah je pensais mais non. Franchement, j'ai juste spammé en fait. Je vais juste me dépêcher. Aïe. J'ai perdu beaucoup de temps sur l'autre chauve là. Putain, mais mourir quoi, c'est bon. Oh, level up, parfait. Ça arrive au super au bon moment. Niveau 21, donc nickel, level up. Ce qui me permet de regagner toute ma vie et tout. Je vais pas cracher dessus. Alors là, phase de mob. J'imagine. Ouais. Je crois que c'est la dernière là. En vrai. Ah, nickel. Là, je suis bien là. En plus j'ai gagné un niveau donc techniquement je devrais frapper plus fort. Techniquement on me débarrasser plus vite des autres. Oh non, mais il y a un chauve. J'ai 1 minute pour m'en débarrasser. Là ça doit être la dernière phase là. Mais juste 1 minute pour me débarrasser de tout le monde là, ça va être chaud. Allez, mourez. Surtout le chauve en fait. Faut que je me débarrasse d'elle là ou de lui. Je sais jamais si c'est un homme ou une femme. Pour moi c'est une femme mais bon. Hop là. Voilà, nickel. Dead. Allez, il n'y a plus que lui. On a 30 secondes à peu près. Faut juste qu'il arrête de tout esquiver comme un connard. Arrête d'esquiver, sérieux! Non mais quand il sera au bout de l'écran, il pourra plus esquiver grand chose. Hein. Oh putain, t'es sérieux. 20 secondes. Si je teste de le battre juste avec ça. Non mais c'est mort. Je vais pas réussir, je sens, ça va me saouler. Oh, il est mort.
On se dit que c'était la dernière phase. 7. Oh putain, juste au matin. Qu'est-ce que je fais? C'est bon. Vite, ma bite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on atteigne. T'as mis une semaine. Il faut qu'on atteigne la mer. Le volcan risque de tout détruire. Ah oui, non, mais vite, on se dépêche. Voilà ce qui arrive quand on laisse les hommes se débrouiller seuls. Et moi qui pensais qu'elle nous remercierait d'avoir bien combattu. J'avoue qu'elle connasse ingrate. Ah. Eh bah putain, je suis pas mécontent d'avoir terminé ce truc, hein. Oh. Moi qui pensais que j'allais aimer la phase Beat'em All, là, putain, c'était chaud. L'île a été complètement détruite. Je plains presque ces pauvres pirates. Heureusement, on a récupéré le fragment de la clé magie à temps. Ok, donc on a le fragment. Alors, je retrouve mon machin, là. Hein, sans tout casser. Donc, on a le truc des pirates. C'est lequel? C'est celui-là de fragment. On l'a, là. On le voit ici. Est-ce que je peux voir dans mon inventaire? Fragment du feu. Fragment du feu, c'est fait. Repère pirate. Hop, il nous reste la glace chez les vikings. La terre dans le temple secret de démon, du démon. Et le temps dans la vallée du vent. Ok. Donc voilà. Après, je sais pas du tout. Est-ce que je peux y retourner? Pas du tout. Je sais que les vikings en bas, c'était, mais c'est pas la bonne époque. Je peux y aller en bas, mais c'est pas la bonne époque. Mais du coup, voilà. Je me rappelle plus ce que je dois faire ou quoi. Donc. Mais bref, on a réussi, donc c'est bien. I am satisfait. Ça me va. Donc là, j'ai changé d'époque. Je sais pas si c'était en 3D ou quoi. Ça, je peux pas le dire. Félicitations. Tu as obtenu le fragment du feu. Qui sait ce qui va arriver maintenant à ces pirates? Peut-être trouveront-ils un nouvel endroit pour vivre. J'aimerais moi aussi avoir un endroit où quelqu'un m'attend. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé magie. Ouais, c'est bon. Vraiment, je suis perdu, j'aimerais te voir, mais bon. Vu que tu es un PNJ qui dit toujours les mêmes lignes de dialogue, c'est très vite limité, quoi. Je crois pas que c'était avec cette phase-là, enfin en 3D, que j'avais accès à... que j'avais accès à... aux îles du Sud. Je ne pense pas du tout, même. On va regarder ça. Ouais, non. Je peux pas du tout aller au sud. Et l'île pirate, ça donne quoi du coup? Ouais, du coup, c'est elle est toute cramée, quoi. Alright. Et là où il y a quoi? Je peux pas aller là-haut, en fait. Je peux pas aller là. On avait déjà testé, mais je peux pas y aller. Du coup, on va rechanger d'époque. Donc, il faut qu'on passe à l'époque le passé. Enfin, je me comprends. Et puis, du coup... Wow. Et du coup, on sera bien. Je vais pas vachement plus vite que d'habitude, là. J'ai l'impression qu'ils se pressent. Hein. Allez, zou. Parce que les vikings, pour moi, ils sont au sud, là où il y a de la glace, non? Ça me paraît très... Ça me paraît logique, mais... Est-ce que les pirates ont un truc à dire ou pas? Je pense pas. Hein. Alors, en ce qui concerne mes trésors, je vais informer... Ah oui, c'est vrai. Lui, il y avait ses trésors, c'est vrai. Je m'en rappelle, maintenant. Donc là, on prend la mer. Et là, normalement, on peut aller au sud. Il y a quoi, là? Une petite maison. C'est quoi? Je peux pas y aller. Ah ah. Interesting. Parce que là, il y a ça, mais il y a rien, en fait, du coup, encore. Ok. Right. Et je crois que c'est au sud où il y avait de la glace. Je pouvais l'atteindre par là, non? Où j'aurais... La vallée du vent, elle est là-haut. Enfin, elle est là, la vallée du vent. Je crois que c'est ça, donc il faudrait que j'y aille aussi. Mais là, je vais aller ici, parce que j'y suis encore jamais allé, je crois. Est-ce que je peux sortir ici? Non. Il faut absolument que je sorte là où il y a un ponton. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'impression qu'il y en ait, en fait. De bien avoir un moyen d'accéder à style quand même. Bonsoir, je suis nouveau sur le stream. Pas du tout. Par contre, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Bonjour. Comment vas-tu?
Comment on atteint ce style là? What the fuck? Y a aucun accès en fait. Je peux pas accéder et tout. Je peux rien faire. Mais il y a aucun accès dans le sens où y a pas une grotte ou un truc. Ou alors je dois. Ou alors je dois y avoir un autre accès et je dois sortir. Ah, ça doit être là. Vous voyez là, là. Ah. Là, à mon avis, il y a moyen que ici ça mène là-bas. Mais pour aller ici. Bon. Je vais aller check la veille du vent. Je vais aller check la veille du vent. Ça fait longtemps que je suis pas venu non plus. Bah oui! Non mais, ne cherche pas d'excuses. C'est bon. Tu viens plus, c'est pas grave, hein. Fais ce que tu veux de ta vie. Tu es libre. Voyons voir. Alors, cette vallée du vent, il y a quoi? Parce que normalement, il y a un fragment ici, hein. On est d'accord avec ça. Ah oui, très efficace. Vraiment très efficace. Ça doit pas être cette époque-là, du coup. Parce que là, vous vous souvenez? Ah oui, ça y est, je me rappelle aussi. Il faut qu'on retrouve le. Il faut qu'on retrouve le chef des armées. Mais alors, par contre, je sais plus du tout à quelle époque. En fait, je devrais prendre des notes à chaque fois parce que je me rappelle plus sinon. Laboratoire, ça je sais plus ce que c'est non plus, mais je crois qu'on était déjà allé et je crois qu'il n'y a rien. Enfin, je suis déjà allé ici. Ah oui, mais c'est le laboratoire du docteur Giraud. Mais ça va, ça c'est fait, ça. C'est de là tout. C'est là que tout a commencé, ou plutôt tout a terminé, ou plutôt le passé et le présent se sont mêlés au futur, formant le présent dans lequel nous sommes, mais qui n'est pas le présent par rapport au passé que les autres ont eu, car on l'a changé, le futur. Je vais plus sur Twitch en général. Ah bon? Bah d'ailleurs, je me demandais, puisque de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouvelles personnes. Enfin, la courbe des viewers, des nouveaux viewers, s'amenuise de plus en plus. Je me demandais si j'allais pas faire des streams plutôt sur YouTube directement en fait. Je sais pas. En soi, ça change rien en fait. Hein. Mais en fait, ce qui est relou, c'est pour les VOD, c'est chiant. Parce qu'en fait, YouTube, ça te met tout d'un coup. Je sais pas pourquoi je suis là, hein. Je vous le dis, hein, parce que là, vous me dites en même temps, ah, mais le mec, il a trouvé et tout, un nouvel endroit. Non, non, on est déjà venu ici. Non, mais on a déjà fait tout ça en fait. C'est les premiers niveaux, ça. Donc, oui, en soi, ça change que dalle en fait. C'est juste plus chiant pour moi, donc je pense pas le faire. En fait, sur YouTube, le truc c'est que quand t'as fini ton live sur YouTube, t'as toute ta VOD YouTube qui est en un seul bloc et t'as pas de. Tu peux pas couper en fait. Enfin, ça reviendra au même sinon de ce que je fais là, c'est-à-dire enregistrer et ensuite upload sur YouTube. Ça sera un peu débile. Mais bon, je suis bien là moi. On n'est pas bien là? Oui! Ah bah super. Faut que j'atteigne cette grotte. Faut que je trouve un moyen d'atteindre cette grotte. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais il faut que je trouve le moyen. Ça, c'est le grand-père de l'autre connasse là. Tiens, c'est rare de se voir la vie. Non, mais c'est bon. On a déjà fait cette boîte de dialogue. Voilà, TG. Je vais retourner là-haut. Franchement, je vais aller absolument partout. Je sais pas trop pourquoi, mais je vais essayer d'aller absolument partout. Je sais pas, pour fouiller. C'était quoi cette mob? J'avais jamais vu ce mob là avant. Est-ce que je suis déjà venu par là? C'est l'XP! On fait ça pour l'XP, d'accord? Ça sert à rien. Oh, un coffre! Badalala. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une étoile de merde. Alors là, je suis bien ravi là. Je suis bien content d'avoir fait tous des tours. Ah, vraiment, vraiment grandement satisfait. Oh, oui. Détendons-nous avec cette belle musique. Voilà, là c'est la forêt. C'est la forêt de base. Là c'est vraiment tout début du jeu là. Ah bon, je fais ça mais je prends des dégâts quand même. Et du coup, je sais pas pourquoi je reviens ici. Je me dis que peut-être il y a un truc. Ça m'étonnerait fort mais... Je veux juste voir.
Ah ouais, parce que ça, par exemple, on n'a pas pu y aller. C'est impossible, puisqu'on n'avait pas les pouvoirs pour faire ça. Voyez-vous? Bon, là, présentement, ça sert pas à grand-chose. Puisque, en fait, du coup, bah, ça sert à rien, quoi. Mais peut-être que, je ne sais pas. On va bien voir. Ah oui, mais je peux vraiment rien atteindre, en fait. Est-ce que je peux pas changer d'époque ou quoi? Je peux pas bouger le rondin d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, donc en fait, il y a un truc à faire là, mais ça m'échappe. Ou alors je suis pas au bon endroit, ou alors j'ai loupé une sortie sur l'autoroute. Je crois pas. Eh oh! Silence! Je ne sais pas. Y a rien là. Bon, du coup, ça me saoule parce que j'ai aucun moyen d'aller au sud. Il me resterait bien le temple secret des démons, mais alors où est-ce que c'est ce truc? J'en ai aucune idée. Mais je pense que justement, il doit être là où il y a. Enfin, pour accéder à ça. Ça doit être justement. Ah, ou alors, attendez. Non, ça peut pas être ça. Parce que là, il y a la forêt, mais je peux pas changer d'époque dans la forêt. Tout ça, ça a déjà été fait. Parce que si j'arrive à changer d'époque dans cette zone, peut-être que les. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, c'est quoi ce bordel? Attendez, je suis jamais allé par là. Ah, bah si. On dirait pas un Pokémon. Genre un Rayquaza ou je sais plus quoi. On aurait dit ça. Dans l'eau. Mais t'as pas vu. Tard. Parce que là voilà, là en fait on peut pas aller là. À mon avis c'est ici. Parce que là c'est démon. Enfin c'est la zone des démons. Mais je peux pas y accéder parce que l'eau serait en train de pleurer là. Souvenez-vous. Et du coup je peux pas. Mais. Putain, c'est compliqué. Hein. La forêt hantée, y a rien à mon avis, je pense pas. Et là, c'est le camp des démons. Est-ce qu'on y est allé au moins une fois ici en fait? Ah, il a déjà été ravagé par l'Empire. Fichtre. Ah, fichtre, fichtre. Et il est pas là du coup le temple des démons là? Il serait pas par ici par hasard? Bonne question. Putain, mais y a rien du tout quoi. C'est déprimant. Parce que là il y a un Majdit, je crois. Mais ils ont pété, c'est ça? Ouais, voilà. Donc c'est de la merde. En fait, y a qu'un Majdit que je peux utiliser, c'est celui qui est sur l'île. Pour changer d'époque. Mais là, je vois pas du tout, du tout, du tout ce que je dois faire en fait. À part chercher le général. Je vois que ça. Mais je me rappelle plus de ce qu'il avait dit l'autre. Parce que là, franchement, je vois pas du tout ce que je suis censé faire. Que Genova, à mon avis, y a rien à y faire. Il n'y a pas une époque où Genova ils sont tous complètement paniqués là à cause de l'explosion je crois. Je vais aller voir dans le truc des militaires là. Parce que bon, si le mec il doit être quelque part c'est bien là non? Bon ça c'est pour les défis. Chope. Hein. Ah il y a Monsieur Lambrouille là. On va voir Monsieur Lambrouille. Peut-être qu'il a un truc à dire. Je pense pas, mais bon. Ah, tiens, vous voilà de retour. Désolé, je ne peux plus vous aider, j'ai décidé de changer de branche. Depuis la fin de la guerre, je me dis que j'ai tout intérêt à devenir marchand. C'est un métier d'avenir. Ah oui. Effectivement, oui. Mais ça change pas mon problème.
Ça change pas mon problème que je suis coincé. Mais peut-être qu'ils sont dû être là. Mais non, c'est la prison là. Je peux pas y aller? Personne d'entre ne sort de la prison pour l'instant. Ordre des lieutenants. D'ailleurs, où sont passés les lieutenants? Bonne question ça. Justement. Non, mais je pense qu'il faut que je change d'époque. Je pense que je suis pas à la bonne époque en fait. Bah, c'est pareil là, je peux pas y aller. Les soldats sont pas toujours des gens très fins, mais les lieutenants, eux, sont d'un autre, tout autre calibre. Nous, on fait ça pour la paye, eux, ils aiment leur boulot. C'est fou, pas vrai? Mais surtout, je ne le répétais pas, hein, je risquerais des ennuis au niveau 99. What the fuck? Ouais, du coup, c'est la merde. Je peux pas aller là toujours, c'est toujours fermé ici. Bon, je pense qu'il faut que je change d'époque. C'est quoi ça? C'est pas le truc des magiciens, je sais pas quoi là. Cette porte est fermée. Ça, c'est la bibliothèque. Les sorciers sont enfin sortis de la bibliothèque, mais apparemment, ils ont volé des documents. La bibliothèque a donc été fermée pour inventaire. Quel document? Oh, des légendes à propos de ruines magiques se trouveraient sous Démonia. Ah oui, bah oui. Je veux bien te croire. Bon. Faut que je change d'époque. Je pense qu'il faut que je change d'époque. Alors, je sais plus exactement quand il y a eu la grande catastrophe, mais je crois que c'est à l'époque d'après. Pas avant la... Je sais pas comment appeler cette époque. Parce que t'as l'époque de la 3D, qui est le futur. Celle-ci, c'est enfin, mon présent. Plus ou moins. Mais du coup, la... L'époque entre les deux, je sais pas trop comment l'appeler. C'est de la 2D aussi, mais... Faut que je trouve un moyen d'aller au sud. Et je sais pas du tout comment faire. Donc bon... C'est un peu compliqué tout ça. Voilà, cette époque-là. Là. On va l'appeler l'époque jolie. L'époque moche, l'époque jolie et l'époque 3D. Ça me paraît bien, non? Et lui, il dit rien, lui. Ah bah non, il faut le défier aux cartes, laisse tomber. J'ai pas que ça à foutre. Toi, c'est pareil? Non. D'abord, la catastrophe et maintenant une éruption. Qu'est-ce que ça sera la prochaine fois? Un raz de marée? Ah bah je sais pas mec, mais tout va bien. Tout va bien. Oui. Ah sinon je peux tester je peux tester d'aller à la vallée du vent. On peut tester ça. On va tester à la vallée du vent. Parce qu'elle est encore open la vallée du vent. N'est-il pas? Mais là y'a rien, il y avait le mec qui travaillait mais je lui ai donné les plans. Mais du coup dans le futur il doit y avoir un truc. Merci encore, la machine volante, machin. Non, mais je crois pas, parce qu'en fait, le fait de lui donner le prototype, ça donne juste le... Ça donne juste un sens à la machine que je trouve quand je suis dans le laboratoire du docteur Géo, non? Mais sinon, il n'y a pas d'autre délire. Ah oui, mais putain, il y a ça aussi, là! Vous vous souvenez de ce truc, là? Nos autres gardiens avons été découverts par les magies. Ils pensaient nous avoir créés, mais en fait, ils n'ont fait que nous retrouver. Ceux qui recherchent le pouvoir sacré du vent. Pas forcément. Je vois que tu es éveillé, mais m'as-tu apporté ce que je demande? Et là, du coup, je sais pas du tout quoi lui donner, en fait. Parce que, franchement, je sais pas quoi faire avec ce type. Ce n'est pas cela. Franchement, je sais pas du tout quoi lui donner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai qu'il y a ça, mais... Ah, mais faut peut-être lui donner la machine, mais enfin non, c'est complètement con. Je sais pas. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est quoi le but du jeu, en fait? Eh bah, va regarder les VOD YouTube. Qu'est-ce que je te dis? Bon, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse, parce que là tout le monde est en panique ici. Là. Du coup, il n'y a pas de. Je pense pas que je puisse trouver. Voilà, tout le monde est en panique. Je pense pas que je puisse trouver le commandant ou son descendant ou whatever hein, ici.
C'est la galère. Ah ouais, mais c'est vrai que tout était fermé aussi. Putain. Bah ouais, c'est vrai. Ah non, pas ça. Ah mais c'est plus... Ça a plus... Il y a plus rien en fait. Ah ça m'énerve! Je déteste être perdu! Ça me saoule tellement! Je ne sais tellement pas quoi faire! Franchement, le dernier truc qui me reste à faire là, franchement, la dernière solution que j'ai dans la tête, c'est de... Attendez. C'est de... C'est d'aller à la vallée du vent, quoi. En 3D. Mais même ça, je sais pas trop. Ils font plus rien, Griff, LKG et Tweet. Alors, Griff, il s'occupe de Minecraft pour gaming, ça c'est sûr. Tweet, non. Et il y a LKG, je sais pas. LKG, il stream plus, ça j'en suis quasi sûr à 2000%. Mais non, il fait plus rien, non, effectivement. C'est gros feignant! Est-ce que je peux aller là-haut? Ah, et là, si je passe là, ça fait quoi là? Je peux aller à Démonia là, non? Ah, mais là, ça donne rien, je crois. Parce que j'étais allé là, mais il n'y avait rien eu. Enfin, je pouvais rien faire. Il n'y a plus rien en fait ici, à cette époque-là. Ah, mais si? What? Attendez, j'étais déjà allé là? Je crois que j'étais déjà allé là. Ruine de Démonia. Quasi sûr à 2000%. Ouais, c'est quasi sûr. Mais si, j'étais déjà venu là, il n'y a rien. Il n'y avait rien ici. Ou alors il y a un truc, mais... Je sais pas, ils ont parlé de souterrain, je sais pas quoi. Putain, ça m'énerve. Il y a peut-être un truc à faire ici, non? Je sais pas du tout. Y a rien à faire ici, mais c'est bizarre, c'est pas normal. Enfin, il devrait pouvoir y avoir un truc à faire, quoi. Peut-être ça se casse. Prêt pour une partie de Game of Cards. Non, casse-toi. Putain, mais non, mais il y a vraiment rien à faire là, en fait. C'est bizarre quand même. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je suis vraiment largué là. Là franchement, je suis vraiment largué dans le jeu. Je sais vraiment pas quoi faire. Donc, je vais faire le dernier truc qui me reste à faire. Alors déjà, il y a quoi là? Est-ce que là, je peux y aller? Il y a une magie. Il y a quoi ici? Ah bah, il y a un magie aussi. Je pense que la dernière chose qui me reste à faire. Ah, mais attendez, peut-être on change d'époque là. Là, je peux atteindre ici alors que je peux pas normalement être en 3D là. Enfin, je me comprends, mais. Du coup, je peux prendre le bateau d'ici alors que normalement je peux pas atteindre là. Que là, il n'y a plus rien là. Si, il y a encore les ruines. Ah. Mais j'étais déjà venu en 3D ici aussi, je crois. Ah, mais non, c'est vrai, il y a les ruines, mais je peux plus rien faire. Par contre, je peux prendre le bateau. Et ça, c'est intéressant. Parce que normalement, c'est une zone que je peux pas atteindre en bateau en 3D ici. On se dit qu'on est bien. Ouais, voilà. Je sais pas ce que ça va m'apporter exactement, mais c'est pas grave. On va bien voir. Donc là, par là, il y a rien. Je peux pas aller par là. Tout ce qui est sombre, je peux pas y aller. Ah bah, vous voyez, là, le truc, là, on le voit, là. Le machin chelou. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je peux pas y aller, je peux pas interagir avec. Là, il y a la forêt. Peut-être que du coup, par là, je peux atteindre le truc de glace, non? Parce que là, c'est le trou de la catastrophe. Ok. Ah! Ah! Est-ce qu'on se débloquerait pas là les gens? Est-ce qu'on se débloquerait pas là les gens? Est-ce qu'on n'a pas atteint un endroit où on n'a pas atteint avant? Bon, c'est le moment d'arrêter l'épisode YouTube du coup. Parce que comme ça vous avez vu toute la période chiante. Et l'épisode d'après vous êtes obligé de le regarder parce que ça va commencer à être intéressant.
comment j'ai bien vendu mon truc. Merci à vous, les gens de YouTube. Désolé pour cet épisode réflexion, mais c'était bien. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Oui.